Bienvenue sous Télépacifique. Je dis à un coquin plaisir pour nous recevoir Franck Etienne, écrivain, poète, dramaturge, connu pour Pelle tête et casser les os, artiste peintre, ancien professeur dans beaucoup de disciplines, mathématiques, physique, sciences sociales, littérature et philosophie, comédien et dramaturge, fondateur du spiralisme basé sur la notion de spirale. Ancien ministre de la Culture, considéré comme un monument national, un patrimoine national, un trésor national vivant. Nommé récemment ambassadeur de la culture pour Haïti. Bonjour Franck Etienne. Bonjour Savannah. Et ma paix, saluer le public là d'abord. De manière très haïtienne et de manière très actuelle. Gade ma chè, ti pays mouen, adie o. 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 Pays-a, pays-a, pays-a chaviré, oh, pays-a, pays-a, pays-a déconstombré, oh, pays-a, oh, pays-a, pays-a chaviré, pays-a, oh, pays-a. Pays à des chapillés. Je fais ça pour toutes raisons. Premièrement, pour me rappeler nous que nous avons un mauvais passe. Et ça fait me songer des phases que je suis en pile prestation avec lui. Et nous sommes toujours chanter, nous engager aujourd'hui. Nous engager aujourd'hui parce que ça fait deux siècles, plus que deux siècles, que nous avons cherché chemin. Ça qui invoque Ezuli, ça qui invoque Legba, ça qui invoque Ogon Ferraï, Ogon Badago, Ogon Malendjo, qui a la prière la Vierge Marie, qui a la prière la Vieille Altagrasse, rien pour qu'on marche. Et je fais le tout comme ça. Pour me rappeler, Savannah, qu'elles font une mission grave. Parce que la première façon de commencer carrière sur le plan théâtral, musical, littéraire, c'est avec opéra. C'est-à-dire c'est voix qui t'est servi. Et je t'ai chanté depuis l'âge de 18 ans jusqu'à l'âge de 25 ans, je t'ai chanté opéra, je t'ai chanté Puccini, Mozart, Verdi, Donizetti. Gustave Mahler. Et c'est bien après que je viens de découvrir richesse musique racine qui fait dans toute prestation, et que ce soit en Haïti, que ce soit à l'étranger, au Mexique, m'aller souvent en Europe, la France, en Allemagne, en Italie, et aux États-Unis, quand je fais presque toute université américaine, et jusqu'à Tokyo, en Asie. Moi, j'ai toujours commencé toutes les prestations par un chanté vaudou, un chanté tiré plutôt de creuset de matrice vaudou. Alors, Savannah me dit merci, je suis bien content que vous avec vous sur le plateau radio, télévision Pacifique, pour nous brasser des questions, pour nous battre libre dans des questions pointues, dans des questions simples, dans des questions politiques. Des questions philosophiques, des questions de littérature, des questions d'histoire. Je ne sais pas si vous avez une chance de continuer ou si vous avez 10 guettes à la question. Je ne sais pas. Franck Etienne, le monde a regardé la marche dans la rue. Vous avez une icône. Si vous ne connaissez pas, vous voulez connaître qui est ce qui est Franck Etienne. Franck Etienne, qui est le monde? Franck Etienne, qui l'a,
D'abord, mon cap gardé, yo un blanc pour bas, yo un nègre pour l'envers. Et yo un nègre avec un yeux bleu, un peu vert, qui t'a même tiré sous turquoise. Et les yeux me changeaient couleur selon la température que moi et selon le climat extérieur. Mais pile monde connaît déjà, parce que je connais si je fais 30, si je fais 40, si je fais 50 émissions déjà dans le pays, il y a peut-être une centaine. Même quoi que Radio Télé Pacifique gagnait des mondes qui suivent les connaissances. Des fanatiques qui t'a bien aimé connaît peut-être que ti moun ki pa jam konnen Franck Etienne m'a essayé de manière très courte de répondre question ça. Franck Etienne paraît avec un comme on dit un pôle en vert, peau blanche, yeux verts ou yeux bleus, même son bon haïtien natif natal total capital. M'a sorti ravine sèche, c'est-à-dire ça pire encore. Moi gagné code lombrit moi maré à paysannerie haïtienne. Donc du côté maternel, maman c'est un paysan ravine sèche et c'est là que il rencontré avec un blanc qui était relé Benjamin Lies, tonton Lai. Et tonton Lai était gagné train McDonald parce que train était qu'on sorti Port-au-Prince pour aller la Tibonite, mais en particulier il arrivait Saint-Marc. Et train ça, t'es porté bête, cochon, cabrit, poulet, avec toute qualité monde qui était monté, ou bien en première classe, ou bien en deuxième classe, parce que train t'es porté passager tout. Train a été fait Port-au-Prince pour arriver à Latibonite. Et station Latibonite là, c'était station finale là, aussi bien que de vos stations finales tout. Dans Port-au-Prince qui était la croix boussale. Eh bien, qui moun Franck Etienne, parce que m'bavle, après le retourner trop soit fait train, il suffit que nous constater que pas un train encore dans Port-au-Prince. Même Trasco, qui était qu'on pote canne à sucre par là encore. T'aime tourner soit fait Franck Etienne, c'est une grosse question que m'a pas répondre, Savannah, m'a pas répondre public là. En deux mots, mais au moins, m'a prendre 5 minutes pour me dire. Moi, l'aime sort travine sèche dans Saint-Marc qui est en section rurale. Moi vinn sous Belay. Moi vive sous Belay à partir de l'âge de 3 ans. Et c'est là l'aime sort l'école lycée, vinn diplômé école hautes études, moi fondons l'école. L'école ça ou dit sort dit là moi t'enseigner toute partie parce que l'aimer m'a appelé qu'on l'a pas payé collaborateur. Donc moi j'étais professeur mathématiques, professeur physique, professeur sciences sociales, professeur littérature française, littérature haïtienne et surtout professeur de philosophie, moi professeur de physique tout et m'étais enseigné et optique et électricité et électromagnétisme. Dans même étape ça, faut me dire que normalement m'étais donc diplomate. Parce que c'est l'école hautes études qui m'a fonctionné comme étudiant. Moi, je suis sorti un diplôme. Mais puisque je suis Camoquin, je ne sais pas si je suis Camoquin. Camoquin, ça veut dire opposant. Donc, je suis contre du gouvernement du Valier. Donc, je n'ai pas employé moi, je n'ai pas employé toute promotion. Là. Et ça fait que je suis l'école. Là, je suis sorti dans l'école, je fais 3 ans avant ma nouvelle l'école. Pam! Pour me capable de dégager pendant la vie. Moi, j'étais dans un petit groupe musical. Mais groupe musical, ça, j'étais qu'on a accompagné avec guitare et avec piano. Dès qu'on chantait Mozart, Puccini, Verdi, Donizetti. Et qui vient faire que, je dois dire, de 17-18 ans jusqu'à 25 ans, l'activité principale, moi, était la musique qui était faite. C'est bien après que je n'ai pas abandonné le courant opéra qui pour moi-même était trop occidental, je viens de découvrir le courant national là, qui était courant musique racine. Et la principale ressource musique ça, c'était le vaudou. Matrice, c'était vaudou.
Ensuite, moi j'étais mécanicien tout. Mon père m'a dit son tiaka. Oui, son tiakalier, son bouillon marassa. Moi j'étais travaillé dans Reynolds Mining Corporation, sur route sud, dans Miragouane. J'étais mécanicien. J'ai travaillé dans EDH tout comme mécanicien. J'ai appris mécanique diesel par correspondance. Et je fais pratique tout dans ASCO comme mécanicien. Eh bien, l'homme qui a gardé mon il n'a pas pensé à ça. Il a pris une dramaturgie, là, comme vous avez dit, il a perdu la tête, cassé les autres, tout le monde, Noël, Bobo Massouri, Fouki Foura. Il a pris un tableau de peine, parce que Baptiste pète tout, moi peine tableau. Je vis surtout de Pétuya. Et l'école m'a été gagnée. Événement dans le pays a fait que l'école ça vive. En quarantaine d'années, l'écrasé dans les années 92, 93, époque deuxième occupation américaine. Donc je ne connais pas. Je ne dis pas tout l'autre bagaille. Je suis capable de dire ça seulement. Parce que je suis capable de dire que je suis ministre de la culture sous Maniga. Mais je ne parle pas de Québec trop. Bon, font ils l'ougal ou bien doit s'attouiller pas pour faire me baler. Franck Etienne, vous sortir à Vincennes, je suis entré Port-au-Prince directement, sans que vous ne parliez nous de Timoun, Franck Etienne, qui t'a vivre à Vincennes. Je dis hein, en pile Timoun, société haïtienne, n'a pas connu qui j'en paye à te dans tant longtemps pour un monde, pour un Timoun qui fête dans une section communale. Parlez nous de Franck Etienne, Timoun, qui jodi, c'est icône ça que nous avons interviewé jodi. Ok, vous m'avez dit, qui jodi, c'est un vieux grand monde, 80 ans. Mais un problème, oui. Moi, j'ai 80 ans et vous m'avez dit, fait un gros bac là. Pour m'expliquer qui ça m'était, qui ça m'était joint et qui ça pays a été dans les années 40. Eh bien, premier moment, yo, jusqu'à 3 ans, 4 ans, je passe le Ravine Sèche. Qui ça pour tout le monde faire la province? Ça dit, ils sont un petit paysan. Ça dit, ça, les petits blancs maintenant, quand c'est code de monde à bâtiment. Eh bien, qui ça m'a fait? Eh bien, je tape couru des adolites, je tape couru des crabambara, je tape bien dans la mer parce que je fais la section rurale qui était un village de pêcheurs. C'est-à-dire, les m'abdormi les soirs, dès qu'on entend des bruits là, mais arrivé tout près porte côté m'abdormi et quand deux fois les lames a monté ça relait la marée haute. L'ame a était comme même entrant dans caille là, fait me lever sous notre m'abdormi, c'est là sa grande main qui était relait Anne Etienne, bon mon petit roule libre pour monter cabane pour me dormir tout parce que l'eau envahi terre battue ça relait parce que caille là pas de pavé, c'était terre battue. Eh bien, et puis qui ça? Je me suis dit dans le jardin, mal cueilli patate, mal cueilli yam, et puis surtout, on va me dire en pile, on va aller pour te cueillir maïs. Parce que grandement, tu as un champ maïs, une plantation maïs. Bon, ça c'était la vie, tout le monde. Mais l'homme vient entrer Port-au-Prince, ça c'est l'autre question. Il est entré Port-au-Prince, qui va débarquer? Maman me débarque. Maman, tu es tout jeune, hein? Et pas que j'ai 4 ans, maman n'a pas de plus que 20 ans, parce que maman fait 16 ans. Donc c'est une jeune femme qui débarque qui boit sous Belay avec moi. Donc je suis nèg Belay parce que je vis sous Belay de l'âge de 4 ans jusqu'à l'âge de 34 ans. Donc je vis 30 années sous Belay et je jamais quitté Belay parce que je toujours passé sous Belay. Donc c'est l'âme de l'école là. Et à 34 ans, c'est le marié, mal vivre d'Elma. Elle a dit, je vis dans le quartier d'Elma, même c'est bel et rien, parce que c'est sous bel et rien, je mène toute enfance, toute adolescence, et une bonne partie de la vie d'adulte. Bel et bon fignolé, bel et bon tous les 16 dieux du bel et, parmi lesquels, dès que mon père, moi, qui était passé avec le papa, Dieu aussi qui était gros boulanger. Donc les 16 dieux du bel et, c'était Dieu Banane, Dieu Maïmoulin, Dieu Gong, pour que ça lui mette le Dieu Gong. Parce que il était joué l'on ban il était le titato et ban titato était très connu et monsieur était un gong la main l'a frappé mais l'annexe a frappé un gong on dit c'est 17 cloches l'église qui a frappé
et yo te le Diogon. Te gen 17 Dio célèbres sous Belè. Donc, peuple a te Bopal, politiciens ont toujours monté eux-mêmes pour vite faire campagne. Mais sauf Fillon l'électorité, sauf le bal coup d'État, parce que Fillon était vice-président. Mais politiciens, c'est passé au passé. Les gens ont besoin de chef Boupin, les gens ont besoin de voter pour eux. Quand ils entrent au palais national, bien quand ils entrent dans le parlement, ils oublient Belè. Ok, tiens, nous avons envie d'aller Belè avec vous, à le promener Belè un jour. Ah, un jour, on a fait libre, mais. Je ne vais pas l'émission à déplacer là. Quand je suis dans la boutique, bien, un jour, on a fait. On a fait. On a fait sous Belè, on a fait même dans la ravine sèche. On a fait ça. Nous avec Franck Etienne dans l'émission Roue Libre sur Télé Pacifique. N'a pointi pause, n'a tourné tout à l'heure. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Franck, nous t'aimons connaître qui ça s'apprend dans la société, dans le pays comme Haïti pour construire l'être Franck Etienne. Avant de répondre, je vais toujours faire référence à Racine moi que je joigne dans certains chants sacrés et qui traduit tout situation pays. Parce que je n'ai jamais oublié la première fois que je rencontrais avec Aimé Césaire, qui est mon lacabba qui mon Aimé Césaire, parce que il mourit, ça a gagné à peu près 8 ans. Et M. Césaire, son coquin chaîne intellectuelle qui fondait la négritude avec Léon Gontran Damas, qui est un Guyanais, avec Léopold Seda Senghor, qui est même un Sénégalais. Ce sont des qui marquaient la culture mondiale, ce n'est pas seulement la culture nègre. Ce n'est pas seulement la culture caraïbe, il marquait la culture humaine en général. Et tout le 19e, 20e siècle, là, monsieur a produit livres, il a produit ses conférences, il a gagné un discours qu'il a prononcé dans l'Assemblée nationale, quand il a essayé de définir l'identité de l'homme noir de la Caraïbe. Mais première fois, mal, la mairie de Fort-de-France, parce que mal la zone ça souvent. Et bien, depuis la première fois que j'ai rencontré avec Aimé Césaire, qui était vivant là, ça, était dans les années 90. Monsieur Dim, il était quand il voit douce. Monsieur Dim, aujourd'hui, je reçois Monsieur Haïti. Et bien, c'est une fierté pour moi que je suis un coquin, potorique garçon, qui a Aimé Césaire. Qui te bampote la bannière ça pour te dire que me symboliser pour lui monsieur Haïti même comprendre pour qui ça c'est d'abord il y avait pelle en tête mais il y avait surtout le premier roman de la langue créole haïtienne première langue créole haïtienne premier roman qui sortit la langue créole haïtienne c'est moi qui écris qui relait Desafi. Livre ça apparaît sous régime Duvalier, elle te baille en pile problème bien avant que Pelle Tête tout après saccager gouvernement parce que Pelle Tête a contribué à libérer la parole en Haïti. Moins malade, moins couché, m'a salivé. Moi malade, moi couché, m'ba sa levé, oui, palmano, m'ba mounisito, bon Dieu relèm, m'bralé, bon Dieu relèm, m'bralé. Pour qui ça me chante ça? C'est pour me faire référence
à sortir de la difficulté du pays d'Haïti. Son pays qui plongeait dans la crise depuis passé deux siècles. Il y a plus de monde qui comprend la crise d'Haïti, c'est depuis Jean-Claude Duvalier tombé, ensuite au Vingé, passage Aristide, Blanc débarqué en 1994, là, il retourne encore. Non, la crise haïtienne est vieille de plus de deux siècles. C'est ça que fait me chanter ça, car on connaît qui Jean dans les universités européennes, dans les universités américaines, côté à étudier sociologie politique, on connaît qui Jean de l'Haïti, la terre malade, la femme malade de la Caraïbe. Donc, pour chanter ça, moi malade, couché, me basse à lever, l'exprimer tout problème, toute qualité tête chargée nous gagne. Eh bien, tête chargée, ça a été là depuis petit monde. Moi, levé sous bel air, comme moi dit, depuis l'âge de 3 ans, quand j'étais dans tout corridor, parce que pas tout petit monde qui était couché sous cabane ou bien qui était marié dans un petit pied-table, je prends tout corridor bel air. Corridor prison femme, corridor 7 coups de poignard, corridor Maclouclou, corridor Sébastien, corridor en des eaux, il y a l'autre encore oublié. Ensuite, Bitcoque chante, là, c'était tout près Calvaire, il était là, et il était Grégory le descendre, il était juste au portail Saint-Joseph. Et bien, me lever dans une sorte de délinquance. C'est vous-même qui dit guette-moi ou dites-moi, enfin, ma parole de question ça. Il y a des gens qui t'entendent déjà, mais ça pas. Excusez mes amis si nous t'entendons déjà. Même pas, j'aime bien même pas là, pas lever, retendez-moi. Je me levais dans une sorte de délinquance, c'est-à-dire timoun des ordres, cap volé cob. À l'insérité, il est levé tapis. Parce que quand on l'entend, il y a une technique ou une tactique, ou une tradition, ou une habitude. Mettez cob en bas tapis. Ah, mettez un grand levé de tapis parce que mettez qu'on levé tapis pour me dévoiler cob maman, pour me dévoiler cob grand-mère et pour me dévoiler surtout cob Dieu Volsi parce que c'est Dieu Volsi qui était quand coup papa mais qui était bon père moi. Pour moi-même son revanche d'après. C'est-à-dire ça va j'étais dans une sorte de révolte enfantine. Et mon grand monde captain de là yo, tant pis s'il vous plaît. Prends précaution avec Timoun. Les enfants dès l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans, Gaëtan peut-être jusque vers 7 ans, 8 ans, ont une intelligence précoce. Pas comprendre nous qu'a dit n'importe bagaille, nous qu'a fait n'importe bagaille, et nous qu'a traité Timoun n'importe qui. C'est-à-dire, j'ai une sensibilité, je saisis toute bagaille, je comprends toute bagaille. Il a dit que Dieu vole si c'est papa, bon, c'est vrai, il te comporte avec un papa, même quand Dieu vole si pas de papa. Je me suis dit que c'était bon permis, parce qu'il suffit que je me garde l'on glace sans préjugé. Je ne dois pas comprendre que Franck Etienne est un préjugé. Je me toujours dit que moi-même, son nec pour l'envers. Et bien, je me garde moi pour l'envers, et puis je dis que je vole si papa. Et bien, je m'entre dans une sorte de révolte, parce que je me suis blanc tonton là, qui était papa, Benjamin Lies, je me suis rencontré avec elle, une seule fois. L'autre jour, on a parlé de qui condition pour rencontrer papa qui fait maintenant. Ça a eu lieu en français, père biologique. Une seule fois, moi, avec elle. Donc, nous avons une sorte de révolte. La révolte a été d'abord contre ma mère. La révolte a été d'abord contre Joe Volsi, mon beau-père, qui prenait soin de moi. Et ça, c'était devenu une sorte de délinquance. Savannah et public captain de maintenant ont pris. Pas culpabilisé, non, parce que nous avons vu grand monde qu'on y a cap veille qui le bralé qui le bon, j'ai sonné cloche pour dire besoin. On commence à boire à 6 ans, on commence à boire clairin, boire rhum babankou qui était l'anti bouteille plate qu'on y a gain bouteille, par contre petit bouteille plate ça c'est là toujours c'est quand petit bouteille plate qui était gain babankou la donne et était gain bouteille clairin qui te gagne toute qualité trempée. C'est-à-dire en particulier, bois cochon, que tu as mêlé dans ta fia, et puis bois vient subir une macération, et puis clé en vient l'autre goût.
Eh bien, maman n'a pas de côté de jouer tout le barrage ça. Maman, pour diable, dans les raisons, t'es qu'on vend ta fiat. Il est qu'on vend rhum, il est qu'on vend canne, il est qu'on vend charbon, il est qu'on vend cigarette, il est qu'on vend douce lait, douce cocoyer, douce coque rachée. Pour qu'un bac la vie. Eh bien, moi-même, comme dit mon méchant, je vais écouter une bouteille éclairée, je bois ta fia, et puis je remplace ça, je bois pas de l'eau. Donc là, je viens acheter éclairé dans mes mamans. Je disais qu'on jouait, je dis, madame, ça bonne mauvais éclairé. Parce que maman ne connaît pas que c'est moi qui bois ta fia, et puis qui remplace ça, je bois pas de l'eau. Il était qu'on vend une cigarette, je te relais à l'époque, Riz Blend et Régis Blend, comme il faut pour te croire la mode. Même splendide, pas de quoi splendide dès qu'on fait. C'était cigarette Riz Blend, R-I-T-Z, et cigarette Régis Blend. Son aigle était le Pantaleon Guilbo, qui était sous portail. Laisse le pot à du boulevard Jacques de Saline, non. Il était le Grand Rue. Eh bien, la Grand Rue, dans un Grand Rue, tu as gagné un gros. Kay, c'était le building Pantaleon. Et Pantaleon Guilbo, c'est un homme d'affaires qui te fabriqué cigarette Riz Blend, cigarette Régis Blend. Eh bien, mes amis, Franck Etienne n'a pas gardé là. Franck Etienne qui n'a pas tendé, qui est monument national, trésor national vivant. Son façon pour nous conquérir, c'est pour nous boule la petite, non? On commence à boire à 6 ans. On commence à fumer à 6 ans. Et nous sommes dans tout corridor belé. À veiller tout ça qui a passé. Nous comprenons que tout mauvais bagaille, tout bon bagaille qui a passé. Et nous avons commencé politiquement tout, comprendre certaines choses à 6 ans, 7 ans. Son façon pour me dire que prenons précaution avec Timoun, nous, depuis les gens de 5, 6 ans, connaissons son grand monde que nous avons la caille. Pas grand monde dans le sens que l'on adulte, responsable, mais les grandes intelligences pour comprendre certaines choses. Eh bien, moi-même, je suis sorti sous belle. Je ne suis jamais dans les Français dans la vie. Je ne suis jamais parlé français dans la vie. Puisque sous belle, je ne parle pas les Français. Depuis l'époque, je ne parle pas les Français. La caille, moi, maman qui est d'origine paysanne, pas qu'on ne parle pas les Français. Et même si Dieu veut si tu fais études pour te parler français, mais dans le cas là, c'est créole qui parle. Et puis, je trouve même dans l'école, ou l'école Tulu-Tutu. Et puis, je suis arrivé, je joins mes Féliciennes. Cap accueille ti moun qui fait cap vinn premier jour l'école en octobre et puis qui dit moi comment t'appelles-tu petit pas konn sa liye mon itan de kokouson rat cap siffler comment t'appelles-tu petit moi grien dame kokou imbécile parce que me pas comprendre il pose une question trois fois et c'est un petit camarade parce que c'est l'école qui était fréquentée par élément bourgeois. Petite blanc ici, petit diplomate, avec mon classe moyenne qui a l'argent. Donc, maman, même, tu fais effort avec Dieu aussi pour te mettre dans l'école blanc. Parce que je ne comprends pas ton bon blanc, alors que je suis blanc faux blanc, je suis faux blanc. Et moi, je me suis faux blanc, je suis venu à l'école ça. Parce que tout le monde a parlé français, moi, même, pas comprendre. Et petit camarade, qui est bon côté, moi, laisse mes Féliciennes, sœurs Féliciennes, laisse sœurs Féliciennes aller. Sauf Félicienne peut-être a cru qu'elle avait affaire à un enfant difficile. Il n'a pas imaginé que je ne comprends pas français. Et puis, petit bonhomme a dit, petit macaque, c'est non, où est-ce que tu m'as là? Ou pas qu'on ne parle pas français? Il y a un mando qui joue en relais. Comment t'appelles-tu, petit? C'est ça, je dis. Eh bien, mes amis, n'ont pas compris à quel point je joue ça. Je suis traumatisé. C'est-à-dire que je recevais un choc dans la vie. Pour moi, je connais l'autre langue. Je comprends que c'est créole seulement qui existait. Je découvre qu'il y a l'autre langue qui existait. Et là, quand je suis dans le pays où je vis là, il y a l'autre langue qui est le français que je ne connais pas, que je ne peux jamais entendre. Et bien, je crois que l'autre jour, je suis sur la question ça. Je crois que l'événement ça a marqué.
Et c'est lui qui parle fait me donner un écrivain tête chargée, un écrivain l'obeille, un écrivain de blousaille, un écrivain Tom Molokoto, qui prend mot français aussi bien que mot créole, vit au devant derrière, l'envers l'endrette, miro biba, tête en bas. Eh bien, moi fais étude primaire, moi, la petite séminaire collège Saint Martial. Moi doublé première classe là. C'est-à-dire, classe enfantine 2. Moi doublé. Moi fais enfantine 1. Je dégage, moi arrivé, joue dans 7e. J'ai dit certificat. Et c'est un certificat à tout que le nombre a changé. Parce que, ça c'est Savannah qui ting-ting, moi là, fait ma dino. Ça m'a obligé de dire, c'est important. Nom te gagné, premier bon nom gagné dans Baptiste, moi, dans l'acte de naissance, moi, c'était Jean-Pierre Basilique Danton Franck-Étienne Dajan. Reprends pour nous, Franck-Étienne. Jean-Pierre Basilique Danton Franck-Étienne Dajan. Mais nom te gagné. C'est un pile nom. Regardez, Jean-Pierre Basilique Danton Franck-Étienne Dajan. M'te gagné 7 noms là pour le nom. La donne de gen non voyant, Basilique Danton, parce que c'est la province qui est sorti. Je suis sorti dans la section rurale. Et la section rurale, je suis sorti. Dans la cour, tu as gagné 3 péristyles, c'est-à-dire 3 tombes vaudou. Et tu as gagné ton tombe, tu as gagné ma tante, qui était mambo, tu as gagné ton tombe, qui était ongan. Même grand-mère, Anne Etienne, d'Agen, eh bien, il était en vaudou. Donc, qui fait que au bon moment non voyant, il a dit un nom qui pour protéger contre mauvais air, contre l'ougaou. Eh bien, c'est l'aime arrivé dans le certificat. L'aime descend le certificat. Et puis, maman, ouais, mon jour m'a crié. Et puis, dis-moi, m'a dit le petit bon diapé de mer des mains. Il a pris l'aime Basilique Danton. Il n'y a pas bon l'autre nom. Il dit, c'est Basilique Danton. Moi, y est. Et c'est des monde moi. Il y a les blancs monde. Mon cher, malgré maman bâton gros intellectuel, il dégageait li la journée officier d'état civil. Et puis c'est ça que fait mon faux baptiste. Donc on va me dire le public pas là hein dans télévision Pacifique, n'a personne à voter pour moi tant pour que pas je me vote candidat, c'est pas là ça me pas suffisamment qui aurait les ça hein et qui a un mot, oui, il est un grand monde canaille. Je ne sais pas canaille à ce point. Pour me dire qu'il y a là, après que je refuse un paquet de postes, il pour me trouver le candidat. Je ne sais pas faux baptiste. Donc ça veut dire que si je CEP, il ne va pas accepter le candidat. Il faut que je un faux baptiste. Premier nom, c'était Jean-Pierre Basilique Danton, faut que je d'argent, et puis vous trouvez le Franck Etienne. Et bien, maman qui fait. Il fait changer nom, hein. L'évacuer Jean-Pierre Basilique Danton, lui shooter d'argent tout, et puis le kembe Franck Etienne. Alors, Gomba qui vient passer, l'aime commence à publier qu'on y a grand monde, m'a publié Mieux à crever, m'a publié Chevaux de l'avant-jour, et après que j'ai publié Ultra Vocal, m'a collé Etienne avec Franck, parce que m'a aimé que tout le monde connaît que nom artiste, moi, et que m'a aimé, c'est pas Franck. Etienne, c'est Franck Etienne Collet. On dit que, enfin, dans le langage sophistiqué en français, c'est une agglutination linguistique. C'est une agglutination linguistique côté M'Kole Etienne avec Franck et puis mon seul nom. Eh bien, l'aime sauter séminaire, mal fait section secondaire, moi, lycée Pétion. Que ou écrit Franck Etienne qui résumait tout chemin difficile ça qui menait à l'excellence que ou atteint jodi an sous permettre que moi dis ça face à c'est après le tremblement de terre là que moi lis pour première fois s'il arrive que tu tombes apprends vite à chevaucher ta chute que ta chute devienne ton cheval pour continuer le voyage. Parlez-nous de
qui gens pour nous remonter choix ça le nous tomber pour que un jour nous ca prétendre à l'excellence en tant que monde dans le pays d'Haïti. Avant de répondre pour me venir sur phrase ça pour m'expliquer bien bah téléspectateurs, m'a dit que l'un des malheurs non seulement de Haïti, mais Haïti à lui-même, ça dit que nous porter ça à l'extrême qui fait que côté nous il est là enlisé, embourbé, entré, comme tu as dit ça là, enterré dans un marécaille, la boue visqueux, gluant, nous pas ouais ni devant ni derrière, nous pas contre qui l'en a sorti, et tout haïtien, il en chien manger chien, ying hang avec voisin lui. Nous pas foutu qu'il y a un groupe qui kembe 10 ans, habille 10 ans. Toute association haïtienne fait, c'est pour 3 ans, c'est pour 4 ans maximum. C'est rare association haïtienne fait, même dans business, qui doit kembe 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc nous avons un problème. Mais le problème, ça pas seulement haïtien. C'est le problème de la fragmentation. L'être humain arrive dans une phase de décomposition, parce que pour que ça m'a dit ça, Haïti nous crise mortifère. C'est-à-dire, j'entends par crise mortifère une crise létale, c'est-à-dire une crise qui peut entraîner la mort de la société haïtienne, la mort de cette entité, de cette substance concrète que la terre d'Haïti et de ce intangible qu'on appelle l'âme haïtienne. Mais qui doit effriter net à cause de ça. Mais pas être marché mal tout. Et ça fait me dit ça question ça va nous soulever là, son question globale. Il concerne Haïti en premier lieu parce que c'était pas nous. C'est la donne n'a vive, c'est lui même qui a interpellé nous en premier. Mais nous sommes aussi des êtres humains, la planète nous appartient. Même si Grosoto Breo, Gokasikyo prend planète là pour yo, yo prend pétrole, yo prend l'or, yo prend par contre, l'iridium, il prend plutonium, il prend aluminium, il prend tout le bagaille, et même produits agricoles, tout, il vient acheter à bon acheter la caillou, c'est-à-dire qu'il vient prendre cacao, mais ma permettre d'acheter un petit chocolat pour un bel côté. Il vient prendre cacao à la caillou pour grimper si oui, il prend en Équateur, il prend le Chili, il prend en Haïti tout. Parce que nous avons cacao qui sortit. Cap haïtien qui sorti dans l'autre région pays, que je joue juste Montpellier en France, qui écrit cacao d'Haïti. Eh bien, il vient prendre café, eh bien, il achète un Nescafé dans vous, comme il coûte. Eh bien, moi, je crois que nous avons droit 10 planètes la pas tenu nous tout. Eh bien, crise actuelle, ça, que nous-mêmes nous vivons en Haïti, qui a 2 siècles. Mais elle est accompagnée d'une crise globale. C'est la séparation de l'être et de l'avoir. D'abord, une fragmentation de l'être lui-même. C'est-à-dire, fragmentation, ça veut dire un bagage qui casse, rache, miette, morceau, en chic taille. L'être humain est une synthèse. Aussi bien qu'on ponche un chat, aussi bien qu'on tape un chien, aussi bien qu'on tape un cheval, aussi bien qu'on tape un caïtou. On casse, c'est pour addition de poteaux, de planchers, de plafonds, de murs, non? Son synthèse liée. Et à partir du moment où oublier que son synthèse, ou la erreur. C'est-à-dire l'être humain, il fragmente, il met des orteils là-bas, il met des poignettes là-bas, et puis qui vient faire que nous couper avec propre tête nous, et nous couper avec semblable nous. Et ça qui est là, le bagage qui vient dominer, c'est Sorgayan. Sorgayan vient plus important que vous-même. C'est-à-dire, un monde n'a pas défini la partie de son identité, l'identité de son être profond, il a gardé à partir de ça, qui machine le gagne, qui caille le gagne, qui mari le gagne, qui madame le gagne. Est-ce qu'il y a une résidence secondaire à la plage? Est-ce qu'il y a une autre résidence en terre étrangère, en Dominicanie ou à Miami? Donc moi, quelque chose, question fondamentale, qui m'a dit pour me retourner sur lui un autre jour, mais ce qui celle-là, maintenant pour développer le malheur de l'être humain,
c'est la fragmentation de l'être et l'hégémonie de la voix sur l'être. Là, prochaine émission, nous avons déjà dit que c'est l'être et la voix, puisque vous mettez nous déjà dans le groupe pour nous continuer sous Pantsa, sous même Oulibla. Et nous remercions pour présence aujourd'hui. Nous baillons tout le monde rendez-vous pour prochaine émission Oulibla. Merci.